Yon l'autre fois, gros bonjour, bonsoir tout le monde. Merci parce que vous avec nous dans l'ESA sur Haiti News Hour. Et c'est un plaisir pour nous rejoindre pour yon l'autre vidéo. Si c'est la première fois visiter nos informations, nous partager ou intéresser ou, pas oublier pour abonner avec Haiti News Hour et puis ouvrir la chaîne notification. Ça permet chaque fois nous poster une vidéo sur la chaîne que vous avez une information sans problème. Premier ministre haïtien Ariel Henry signé hier mercredi 21 décembre avec divers actes politiques, actes dans la société civile et secteur privé. Un document qui relève consensus national pour une transition participative et élection transparence dans le pays. Porte parole dans le secteur démocratique, la branche André Michel, qui fait partie du gouvernement, bat bravo la contentement pour consensus national pour transition participative avec élection transparence qui revient signé hier mercredi 21 décembre 2022. Membre association évangélique pays d'Haïti a été organisé jeudi 22 décembre 2022 dans l'école nationale commune Opoto, 4e section communale ville Gonaïve, une activité liquidation plusieurs produits alimentaire. C'est point ça yo ak divers lot nous va développer pour porte parole SDP à branche André Michel là qui fait partie de gouvernement bat bravo la contentement pour consensus national pour une transition participative avec élection transparente yo rive signé jeudi mercredi 21 décembre 2022 à met André Michel là fait qu'on est document ça pral permettre yo avancer en temps de déclaration met André Michel. À cette phase des débats, il faut poser les jalons qui permettent que nous arrivions effectivement à une véritable transition pour nous passer le pouvoir à des mondes de population choisis lorsque les conditions sécuritaires seront réunies. Nous espérons le plus vite possible. Le gouvernement pourra compléter la Cour de cassation. Le plus vite possible, nous pourrons monter un conseil électoral provisoire avec la participation des différents secteurs de la vie nationale pour aller en gouvernance qui rassure le plus de monde possible et que le pays a pour aller en mode électoral. Mais nous tous nous connaissons, quels que soient les efforts du gouvernement, quels que soient les efforts de la police nationale d'Haïti, pour nous arriver effectivement dans la réalisation d'élections en Haïti, fort en assistance internationale. D'ailleurs, nous-mêmes nous disons sans aucune hypocrisie, la police a fait du bon travail, mais la police n'a pas suffisamment de moyens pour craser gang PHTK mettait dans le pays pendant les 10 dernières années. Pour nous, cette assistance internationale est nécessaire pour que nous puissions avoir des élections en Haïti. Et nous espérons que porte dialogue là, porte consensus là, l'a toujours été l'ouvrir. Nous soutenons les déclarations, maître André Michel, un premier ministre haïtien Ariel Henry, qui signe, jeudi mercredi 21 décembre 2022, avec divers actes politiques, actes dans la société civile, actes dans le secteur privé, un document qui relève le consensus national pour une transition participative avec élection transparente. Avant de signer un document, ça, chef gouvernement Ariel Henry était réuni dans l'hôtel Caribé. Document ça a prévoi mettre campé un haut conseil transition qui vient dans le HCT avec un organe contrôle action gouvernement OCAG. Parti qui signe yo supporté demande chef gouvernement te fait dans date 9 octobre passé pour gagner force intervention internationale qui entre dans le pays. Compromis national ça c'est première étape, un premier pas dans bonne direction. Faut que nous portions bah, y a nation yon preuve de bonne volonté, les nous mettez campé institution démocratique ça et puis remettre affaires paysan bah, moun qui sorti dans élection. Premier ministre haïtien dans tweet dans le mettez dehors dit la travail pour bah, y a moyen à moun qui fait partie au conseil transition et puis fait tout ça possible pour permettre yon arriver accomplir mission yo. En temps de déclaration premier ministre haïtien Ariel Henry. Depuis de nombreux mois, je soupirais après l'organisation d'une rencontre comme celle-ci. Une rencontre des forces vives de la nation en vue de chercher et de trouver un compromis, une entente entre haïtiennes et haïtiens de bonne volonté. Permettez-moi de commencer en adressant des remerciements chaleureux et sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cet événement au prix même d'un grand sacrifice. À M. Arnaud Descartes, M. Villemont-Hilaire, Charles Dardieu et à tous leurs collaborateurs, je veux dire merci. À la minute,
les a accompagnés tout au long de ce processus et qui a demandé de la patience, beaucoup de patience et de l'opiniâtreté. Il a semblé nous miser en route et je dis à nous porter bonne nouvelle. Selon les informations qui me sont parvenues, le document autour duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui est une œuvre collective. Il a fait plusieurs navettes entre les différents acteurs. Chacun y a attribué sa contribution, en sorte que ce que nous avons en main, personne ne peut en revendiquer la paternité. Bien entendu, comme vous tous, j'ai discuté de son architecture et de certains éléments et concepts qui en constituent le fondement. Toutes mes remarques et suggestions ont été produites dans le seul but de contribuer à mettre en place une formule qui puisse rassembler un maximum d'adhésion et surtout qui puisse fonctionner dans le contexte particulier dans lequel nous sommes appelés à évoluer aujourd'hui. Le document vous a été présenté de façon claire et limpide. Je ne vais donc pas m'attarder sur son contenu. Je voudrais plutôt saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à cet échantillon représentatif de notre société qui est devant moi pour explorer avec vous les difficultés et la complexité de la conjoncture qui détermine les chances de succès ou l'échec de ceux que nous sommes tous engagés à entreprendre. Dans mes conversations avec les uns et les autres, j'ai senti que malgré la profondeur de la crise, ou peut-être à cause d'elle, quelque chose était en train de changer dans notre pays. Quelque chose est finalement en train de changer dans les mentalités, dans notre façon de regarder notre pays, de penser et de concevoir son devenir, sa transformation et notre façon de vivre ensemble. Les prises de position de divers secteurs de la vie nationale me donnent à penser qu'en dépit des vicissitudes, des aléas et des horreurs auxquels nous sommes confrontés quotidiennement, à ce tournant de notre histoire de peuple, il y a lieu d'espérer que nous pourrons transformer nos malheurs en opportunités uniques pour un changement durable. Je ne crois pas me tromper en disant que l'impératif du dialogue comme moyen privilégié pour résoudre les conflits, que l'art ou la nécessité du compromis sont des idées qui ont fait leur chemin dans notre société. Les uns et les autres ont compris ou ont commencé à comprendre que la stratégie du tout ou rien n'est pas payante. Que le succès ou la victoire ne passe pas forcément par la destruction de l'autre. Que transiger ne signifie pas se renier et que faire des concessions ne veut pas dire capituler ni tout faire. Frère Maxime Mio, chers compatriotes, moi t'aimerais nous tous comprendre dans quelle situation malouk pays noir y est jodia. Surtout, prends conscience de l'urgente situation qui m'a dit nous toutes pour nous faire une tête ensemble. C'est la seule façon pour nous retirer pays noir dans mal cité. C'est la seule façon pour nous retourner dans un fonctionnement démocratique normal. Nous soutenons des déclarations pour le ministre haïtien Ariel Henry. Dans l'autre point de l'actualité, ILCC recommandé pour saisir ou bien bloquer tout bien ancien directeur général Douanio Romel Bell. Monsieur Romel Bell, qui a une grosse accusation sous dol, tant que corruption et blanchiment d'argent, pas capable de justifier bien le gain yo a mardi passé pendant que répondre à la question ILCC. Spécialiste en droit pénal, M. Gerbi Blaise, désapprouvé décision directeur général ILCC pendant le fait qu'on est sapanant attribution ILCC pour bailler l'ordre dans une mesure comme ça, côté justifié position là avec décret 8 septembre 2004 là, sous sa gain pour blanchiment d'argent. En dehors des déclarations spécialistes en droit pénal, M. Gerbi Blaise.
moi en tweet en journal en ligne qui publie les URGC autorisé, moi réagir à partir du tweet ça. Autorisé veut dire quoi? Autorisé veut dire que c'est ordonné, c'est by law. Maintenant, à qui est-ce URGC by law là? Est-ce que ça vous levez de compétences URGC? URGC effectivement que les compétences en matière d'enquête. Article 11 ans, et puis article 1 bien précisé, il dit les agents ULCC ou bien ULCC qui nous rassemblent toutes pour ça, ils viennent auto-information, ils déférulent par la justice. Maintenant, déférulent par la justice, par qui est-ce? ULCC, ils ont statut d'OBJ, ils paraît doit saisir directement les instructions, la saisie par CAA. C'est ça la procédure. Maintenant, les ULCC, c'est lui-même qui déclenche l'enquête là. L'elle déclenche l'enquête là, oui, ils ont le pouvoir de déclenchement d'enquête là. Mais l'elle déclenche le connaît, l'elle finit toutes pour eux, ils ont une infraction, c'est ça le café en termes de prérogative, c'est rassembler toutes pour ça, déférer mon nom, déférer dossier, déférer mon nom, devant la justice. Maintenant, on continue avec rédaction texte là. Parce que l'on dit déféré, même pas dans le détail là, parce que déféré, qui est-ce qu'on déféré? Est-ce que c'est mon nom en personne? Est-ce que c'est document yo, ou est-ce que c'est dossier ou déféré? Le débat c'est que ULCC n'a pas d'affaire ça, n'a pas d'affaire monsieur Omel Bel là. ULCC fin tant de monsieur Omel Bel. Si l'estime lui dit comme ça que écoutez, moi je joins des indices qui disent que ou gagne ou fait blanchiment, ou pas prouver une provenance forte, pas oublier qu'en matière de blanchiment, gain ça ne relé, il y a inversement et renversement de la charge de la preuve. Maintenant c'est mon nom, c'est monsieur Omel Bel qui doit prouver l'argent gagné ou bien bien gagné yo gagné un cartel ici. Dès lors que gagné illicéité, construction de illicéité dans bien ou belle belle, maintenant c'est ou belle qui vous prouvez pour venir soir. Si ILCC estime que M. ou belle belle dans l'embarras pour le prouver, il y a une difficulté pour le prouver pour venir soir ici bien, eh bien ILCC dit moins gagné soupçon de blanchiment. Mais si gagné soupçon de blanchiment, ILCC de par lui-même a procédé à gel là. ILCC car directement, il saisit par qu'un, il dit par qu'un, mais en soupçon de blanchiment, moi gagné sur un individu. Ça va prouver mon licéité bien, donc mon mandat pour mettre l'action publique en mouvement contre lui-même. C'est le sapaquet lui-même. Lui-même, il a estimé. Il dit écoutez, vous m'avez bel bien, ça vous m'a dit que vous êtes en vendu. Maintenant, ça m'a fait m'a demander une instruction pour procéder à s'enrayer la procédure de gel. Maintenant, dans le cas où vous m'avez bel là, et je pense que le directeur général de l'ULCC a trompé de bonne foi parce que lui mal interprété article 12 là. Article 12 là, pas mal prérogatif pour procéder à gel parce que le gel doit résulter d'une décision judiciaire. Et texte là clair, non seulement article 12 ans, il dit que l'ULCC a fait saisie, qui est différent de gel. C'est juge d'instruction territorialement qui est compétent, c'est lui-même qui a procédé à gel là. Maintenant, le gel, c'est une décision de justice, c'est pas une mesure qui a réalisé, qui a opéré par un officier de police judiciaire ni par un agent de police judiciaire. Donc, l'ULCC n'est pas le commissaire au gouvernement, l'ULCC n'est pas un juge, n'est pas le juge d'instruction, donc l'ULCC ne peut pas procéder au gel, au bien, au monde qui a poursuivi. Nous soutenons des déclarations spécialistes dans le droit pénal. La maître Gerby Blaise. Ancien sénateur département de l'Ouest, Jean-Renel Sénatus, a dénoncé le premier ministre haïtien Ariel Henry. Il dit qu'il a signé un accord politique lié. C'est à groupe Zamil qu'il signe. Ancien parlementaire qui est membre structure compromis historique, là, fait connaître depuis un mois discussion yo campé. Il rappelé Ariel Henry pas gain droit. Signé aucun accord politique sans plusieurs structures politiques tant qu'au famille Lavalas, Petite Dessaline et accord Montana Paladon. En temps de déclaration, ancien sénateur département de l'Ouest, Jean-Renel Sénatus. Plus qu'un mois alors, de pause au niveau des discussions qu'a faites pour nous garder comment pour nous retirer pays, nous en salier jeudi à côté nous voulons sortir comme une route mondiale. Nous, même au niveau de compromis historiquement, dont peine qui se structure moi-même au niveau de l'ordre démocratique, nous fait partie de lui. Nous recevoir de manière très peu orthodoxe et non protocolaire une invitation de M. Ariel Henry qui demandait nous pour venir participer jeudi, mercredi, dans une signature, non seulement de signature d'un compromis. Que le compromis national. Faut qu'on dise ou même au niveau de compromis historique là, au niveau de peine ou de l'ordre démocratique, nous rendons compte et nous convaincus que c'est haïtien et haïtien pour chita pour nous chercher solution à problème que nous avons confronté comme pays, comme peuple. Nous voulons participer dans toutes les activités qui allaient dans le sens vision. Cependant, le protocole d'État qui utilisait à non seulement des effets nous étonner, mais le Premier ministre a parlé tout dans notre WhatsApp là de une question de travail pour nous signer un protocole. Nous avons parti dans la signature protocole là. Ça que nous estimons qui est un peu de trop.
dans la mesure où nous n'avions pas travaillé jusqu'à conclure un accord avec M. Ariel. Maintenant, qu'est-ce que nous-mêmes nous pensons, Lina, Li a essayé de faire? Nous pensons à essayer de passer par la tangente pour relayer quelques petits amis. Pour signer un bagage que le consensus au compromis national, mais qui n'a pas rien à voir avec le pays d'Haïti. Et c'est là que nous gardons, nous, pour ne pas participer non par outil de signature d'accord, ça, de la mesure où nous estimons que c'est marqué du pas en sur place, ne pas permettre nous avancer vraiment, nous-mêmes, au niveau du compromis historique, nous estimons. C'est pour poser à faire pays à Capriclé. Par conséquent, nous faisons appel à la vigilance à tout le monde, dont à M. Ariel Henry pour le connaître. C'est Haïti que le gagne aujourd'hui comme bien en commun avec nous tous, avec le reste pays. C'est ça nous gagne comme en bien en commun. Nous-mêmes, au niveau de compromis, nous pourrions consensus largement large pour la gérer pays. Ou pas qu'à faire, à chercher un consensus pour les politiques. Je dis à Poudi, vous mettez de côté une structure politique pour former la valasse. Ou pas qu'à dire qu'on va mettre OPL dehors. Ou pas qu'à dire qu'on va mettre Philippe Dessalines dehors. Ou pas qu'à dire qu'on va faire un bagage pour oublier Moun Montana. Encore Montana qui fait plus de 1 an qu'à bataille autour d'un projet. Et son projet, qui a reproché le sauver. Mais il faut reconnaître qu'on grand effort que vous faites pour arriver là. Ou pas qu'à dire vous mettez de côté dans sa affaire. Si vous voulez fondre pour pays à vrai, sa question, ça c'est libre pour d'adile. Dans la mesure où nous-mêmes, au niveau du compromis historique, nous avions été invités à 2 reprises à rencontrer M. Ariel. Nous sommes allés dans la première pour nous dire nous avons besoin qu'on ait ce qui s'en va discuter. Dans la deuxième, non. Nous remettons en note de cadrage. Nous avons tant de réactions sur notre cadrage là jusqu'à présent. Nous pas venu. C'est invité, l'invité de nous signer. Protocole et ça a été accord de consensus national. Maintenant, à qui est-ce qu'il discute? Pas qu'on est. Sauf nous qu'on est maintenant ça qu'a fait aujourd'hui à là, qui est en pile monde qui était représentatif de partis politiques, de structures politiques, de accords politiques, il n'est pas présent. Nous soutenons les déclarations ancien sénateur département de l'Ouest là, Jean Renel Senatus, responsable mouvement national pour transparence Toutouni, qui vient en tête de Pascal Adrien, justifié si anti-document ça, formation politique liancière. Li annoncé président honneur Milan Dan Maniga qui représente le secteur politique là en dedans conseil transition ça c'est un monde tout monde capable d'accord avec lui côté bat bravo la contentement pour choix si là entendre déclaration responsable tout mouvement toutounien Pascal Adrien. Depuis un certain temps, nous sommes toujours pour un accord que nous-mêmes haïtiens, les gens qui font politique, les gens qui sont dans le secteur économique et les gens qui sont dans la société civile, supposés joindre pour nous garder comment nous sommes capables de résoudre la crise. Là. Pas plus tard que hier soir, nous nous mettons en ordre dehors, nous-mêmes dans le mouvement national de transparence qui membre le regroupement de l'aligné pour que nous demandions un accord politique ou encore un accord entre différents acteurs avant 2023. Donc aujourd'hui, nous pensons que nous avons un pas qui franchit dans la bonne direction avec un ensemble de acteurs qui sensibilisés par la crise là et qui devaient faire des passements nécessaires là. Mais on n'a pas de vous dire, il faut que ça soit fait là aujourd'hui, hein, c'est pas une entreprise de copinage. Il faut que ce soit pas des gens qui sont amis, des gens qui là uniquement sous base à compétence. On a besoin des gens qui ont à la fois expérience et compétence. Et aujourd'hui, moi fier de m'annoncer que dans la dynamique au Conseil de transition, hein, pour le secteur politique, c'est avoir Mme Mirlot Baniga qui est sur route pour représenter le secteur politique là. Donc nous-mêmes, dans tout tourné, nous battons bravo à 100% pour ça. Nous-mêmes, nous alignons nos pas de bravo à 100% pour ça. Nous pas membres de DNP, mais je vous dis, Mme Maniga, c'est une figure, c'est une personnalité qui transcendait toute appartenance à un parti politique. Et c'est un monde que nous devons considérer comme un patrimoine national. Donc, il est clair que si nous continuons à franchir même pas ça, par rapport à l'autre membre, nous avons choisi pour l'autre secteur, par rapport à KEP, par rapport à moun k'ap gagné pour assumer gouvernance dans le cadre du mandat ministériel qu'a fait, n'a pas bay pays a possibilité pour que petite li femme takou garçon capable servir au plus haut niveau pour le bien-être collectif. Donc moi-même moi extrêmement fier, moi bat bravo à 100% ne serait-ce que parce que la personne ou la personnalité ferme, claire, compétente, honnête, académique et politique au monde takou Mirlot Baniga que le fait partie de au conseil de transition. Ça veut dire que nous partons pour quelque chose de très sérieux. Nous soutenons les déclarations responsables du mouvement national pour transparence en Toutouni, Pascal Adrien.
prenant Balatibonite là, dirigeant syndicat chauffeur ak propriétaire machine nan Balatibonite là, dit c'est un trahi chauffeur yo a passé nan la Tibonite pour aller Port-au-Prince. Yo obligé passer par Mirbalet route la fin crasé machine yo et yo pas ka faire plus que deux voyages par semaine. Edzer Pierre ak Oles Pierre, deux dirigeants syndicat sa yo fait connait c'est camper pour ta camper machine yo, mais si yo ta fait ça yo pas besoin manger pour bay petit yo. En tant de déclaration yon après l'autre, Edzer Pierre ak Oles Pierre nan micro collaborateur nou 1100 Madeis. Nous ouvrons la route là pour nous passer, mais bon, vérité. Parce que l'eau pas attendre, nous tendons de dire que nous avons une machine. Mais aucun bête de machine, mais aucun bête de machine. Ou pas capable de tête ou aller. Mais machine à caille, puis pour ensemble avec la machine à caille, actuellement là, vous campez. C'est camionnette seulement qui vont les passer, mais pour petit bis, par un sa pièce. Vos camions, par un sa tout. Mais ça veut dire nous bouler plus gaz, comme nous faisons avec les passagers. Ah, mais bouler gaz, là, préférer ces gaz, bouler, mais route côté nous faire, machine est démolie ou démolie. Bon, même si on a l'eau en panne, tout le monde en panne. On est obligé quand même d'aller, mais dans toute sens. Et même avec les gars quand de faire camper. Tu campes dans les deux camper parce que nous n'avons pas avantage dans aller. L'eau a venu encore, route domine en route. L'eau vient ici, il y a des gens qui ne peuvent jamais aller, il faut qu'ils aillent aller tout. Les gens allaient aller, on a fait des voyages par semaine. C'est déficit total? Déficit total, il n'y a pas d'avantage là-dedans. Nous sommes obligés d'aller aller en paix, mais de la façon, pas un bagage qui est plus ou moins. La chance pas nous, c'est l'autre bord. Ça m'a ajouté, c'est toujours de même ça, camarade, la soudia, parce que nous-mêmes, son bagage nous fait pour nous sauver la situation, ni passager, ni chauffeur, ni propriétaire, parce que c'est lui qui connaît nos bagages, notre initiative, nos affaires, sinon pas faire, nous ne pouvons pas manger. Là, nous prenons machine dans nos charges, là, dans le Port-au-Prince, où il faut aller dans le garage avec elle. Ou dormir Port-au-Prince, le charge est tourné encore, le rivet est mis balai, ou bien verre pour dormir, pour venir ici, pour venir aller dans le garage. Quoi vous faire, on presque pas arrêter de mille là-dedans. Mais nous-mêmes, nous sommes obligés de faire parce que c'est lui pour nous faire, pour nous manger, pour nous bailler petit, pour nous manger, pour nous bailler famille, nous manger. Mais c'est le moment d'assurer pour le gouvernement d'avoir fait lever pour nous. Dans le jour qu'on vient, pour le tabac dans le pays, pour ne pas essayer de se faire mourir parce que nous sommes presque fin de mourir. Donc, nous presque fin de jouer. Je fais aucun compte banque dans le monde, puis retourner, la banque a venu demander dans l'argent, nous n'avons pas compte suffisamment pour nous travailler, dans le mois pour nous payer la banque. Nous sommes obligés à la mascaille. Non, 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 pour nous bagner. Ça nous fait assez pour nous bâtir, nous manger. Nous sommes des déclarations, Edzer Pierre, et Oles Pierre, dans le micro collaborateur, nous, 1100 Madeus. Représentante du mouvement international solidaire pour Haïti, Madame Joujou Louis Fortuné, ensemble avec plusieurs organisations femmes, méditent ensemble pour mettre sous pied un bureau humanitaire dans la ville Saint-Marc. Dans l'objectif pour aider la population dans la ville, joindre une amélioration avec quelques problèmes qu'a répété dans la commune Saint-Marc. Madame Joujou Louis Fortuné fait qu'on est bureau humanitaire qui installé, c'est parce que yo remarqué situation sociopolitique là cap fin dé pas fini dans pays a peuple répéter plusieurs côtés, c'est dans tête ensemble yo capable arriver changer situation. En temps de déclaration Madame Joujou Louis Fortuné. Jeudi qui c'est jeudi 22 décembre, nous réunis dans le local Femmes Chrétiennes Leaders d'Haïti pour nous inaugurer un bureau humanitaire du mouvement international solidaire pour Haïti. C'est ça que fait jeudi là où nous gain jeunes ça avec nous, nous gain adultes ça avec nous dans communauté qui viennent participer dans grande ouverture bureau mouvement international solidaire, parce que non seulement nous-mêmes toujours connaît nous t'apprenons là paix, unité, réconciliation nationale pour la stabilité de l'État d'Haïti. Et jodi a, l'ensemble de la diaspora haïtienne qui vit soit à Paris, aux États-Unis, Canada, Brésil, Santo Domingo, yo conscient, yo uni pour yo commencer solidariser yo d'abord avec haïtiens qui en Haïti et haïtiens aussi qui vivent dans l'autre pays. C'est peut-être ça jodi a, nous conscient que c'est nous-mêmes haïtiens qui pour corriger l'autre, solidaire avec l'autre, et bien c'est peut-être ça, je dis à nous fait lancement ouverture, bureau ça, que nous bras le travail dans humanitaire, santé, agriculture, éducation et latrie. Pour qui ça nous choisit créer un tel bureau comme ça, surtout dans la ville de Saint-Marc?
Bon, on connaît par rapport avec crise économique en politique sociale qui a frappé société a, et bien ça touché conscience nous. Pour nous aujourd'hui à nous-mêmes, l'important pour nous mettre tête nous ensemble pour nous agir. C'est vrai international capable aider nous, mais responsabilité a li sorti dans nous d'abord pour nous-mêmes prendre responsabilité nous, responsabilité citoyenne, que ce soit les Haïtiens au niveau d'Haïti, que ce soit les Haïtiens au niveau de l'international dans les autres pays. Donc c'est responsabilité par nous pour nous impliquer dans des activités sociales, éducatives, politique, agricole, pour nous lever pays, non, parce que c'est pas possible pour Jean pays aille là pour nous toujours attendre ces étrangers, ces ONG qui pour porter une alternative pour nous, une solution. Tandis que nous-mêmes, nous sommes grand peuple, nous sommes moun, et bien solution doit sortir d'abord de par nous-mêmes. C'est notre objectif ça qui c'est une sorte de prise de conscience citoyenne côté jodi à nous réunir pour nous lancer. Et de cap dit ça pour nous bailler alerte là, pour nous bailler le ton dans l'Artibonite. Comme nous toujours connaissons, le département de l'Artibonite, c'est le département phare, c'est le département lumière, c'est le département de libération nationale. Aujourd'hui, vous êtes vraiment conscient que Haïti bral changer, parce que nouvelle Haïti, c'est pour tout bon, c'est pour une jointe avec ouverture bureau humanitaire du mouvement et solidaire international. Et bien c'est sérieux, c'est pas jeune à jouer, c'est pas de la blague, c'est du concret. Donc nous allons travailler avec moun nan communauté là pour nous résoudre certains problèmes. Expliquez-nous 1, 2, 3, 4 quelques problèmes surtout nous allons nous compter à le résoudre surtout dans la ville de Saint-Marc qui est la cité du message. L'un des premiers problèmes nous comptons nous allons résoudre, c'est ça où elle est le décadi moun haïtien vin perdu conscience. Yo vin perdu conscience, yo vin décadi, nous vin démoniser. Donc n'a vive, nous pas vivre, nous pas connait pour qui ça nous là, nous pas connait si nous gain droit, nous pas connait si nous là pour nous agir comme nous sommes acteurs aussi, nous ca participer dans propre changement nous. Hein? Ça c'est une au niveau de la conscience, de la mentalité. Deuxième point nous bal travail, c'est faire de chaque haïtien un acteur productif, un acteur participant dans la solution du pays. Que ce soit au niveau de l'agriculture, c'est pas possible bon pile jeune haïtien a quitté Haïti, yo bal Chili, yo bal Brésil, bal planter terre puis terre yo là. Yo dire si nous gen moun qui encadre nous, ban nous produits intra agricole, encadre nous, pays a gen sécurité, n'ap capable produire, n'ap capable développer tête nous l'espoir là. L'autre point important que nous toujours besoin nous bral travail, c'est la sécurité du pays. Donc jodi a l'insécurité nous touche, ça bloque toutes les activités nationales. Nous pas qu'à traverser la Canaran. Tout pays a bloqué. Jodia, nous besoin réunir, parler, conscientiser pour peuple à participer dans la sécurité nationale du pays et qu'on ça aussi n'a pas capable arriver à la stabilité politique. Parce que le jeu qui se joue actuellement, c'est un jeu réel, c'est un jeu qui touche l'existence peuple haïtien. Comme nous pas qu'à mourir et nous pas doué mourir, eh bien Haïti pas péri, c'est ça que fait nous là avec Genio pour nous lancer. Et pour nous voyer un message, pour nous voyer un signal là, pour nous dire nous sommes là, nous sommes conscients. Maintenant, nous prenons notre responsabilité comme citoyens, comme organisation. Et nous pensons que l'international, attendez-nous, gouvernement, attendez-nous, chaque haïtien, attendez-nous. C'est le temps aujourd'hui pour que Haïti se réveille de son sommeil de mort. C'est le temps pour les vraies personnes, les personnes vraiment qui sont amoureux d'Haïti, qui sont responsables, qui sont honnêtes, qui sont intègres, pour participer à la reconstruction de notre cher Haïti. Nous soutenons des déclarations, Madame Jojo Louis Fortuné. N'a pas quitté le département de la Tibonite, là, nous pour aller dans le département NIP pays en coordonnatrice en réseau femmes dans le département NIP pays en Rifanip. Lila Zéphirin distribue kit hygiénique by plusieurs hôpitaux et l'école dans le département NIP pays en à mercredi 21 décembre 2022. J'ai ça fait dans objectif pour aider institution Sayo par rapport à choléra qui a baillé un pile problème dans le département NIP. Là. Plus de détails à correspondant nous, Natacha Jean-Jacques, depuis le département du pays.
Coordonnatrice réseau Femme Libre Fanny Brila Zéphirin distribue kit hygiénique par plusieurs hôpital et l'école dans le département 21 décembre 2022. Selon Lila Zéphirin, geste sa fête dans l'objectif pour aider l'institution SAO par rapport à choléra cap valé terrain. Elle tout profiter moi des populations respecter principes hygiéniques pour empêcher choléra continue à propager dans le département Niplan. Lila Zéphirin, c'est responsable réseau Femme NIP, REFANIP. Que nous gagnons avec UNICEF. Comme nous te wel déjà, côté nous te pote yon vingtaine de batteries et yon vingtaine de panneaux solaires dans l'hôpital Sainte-Thérèse et puis article de toilette. Et bien, ces mêmes gens, dans le moment choléra fait rage dans le département, il y a un pile l'hôpital qui gagne un déficit de matériel. Donc, dans ce sens, nous connaissons que gagne une nécessité, nous tout encourager, profiter de l'occasion ça pour nous côté de articles, tankou, papier hygiénique, serviette hygiénique et détergent et puis clore, tout ça balayer, nous côté pour aider l'hôpital yo capable de répondre à et flux de choléra qui vient et dans la communauté. L'hôpital en Savo, Saint-Michel, l'asile, Morisseau et Payan, c'est quelques hôpital qui bénéficient de aide ça yo sans oublier quelques école dans département Niplan. N'a fait remarquer maladie choléra pas jamais suspendre bay problème dans plusieurs communes département dernier jour ça yo. N'a monté dans ça gain pour avec dossier économie. Économiste Enomi Germain dit gain gros caisse sauté par rapport avec niveau inflation dans pays d'Haïti. Côté économie haïtienne nan konnen yon inflation 47.2% pendant mois d'octobre qui s'est passé là. Environnement économique international là par rapport avec guerre qui gagne dans pays Ukraine nan, c'est une nan première cause situation ça d'après économiste Enomi Germain. Qui sont liés causes en cap passé en dedans pays en tout goudlan cap pédi valel dégradation climat insécurité a doute sous question politique c'est toute bagaille ça yo qui la cause inflation en pas suspendre grimper monter dans pays d'Haïti en tant de déclaration économiste Enomi Germain. D'abord, au niveau externe, nous connaissons déjà, c'est qu'on a un environnement économique international marqué par l'inflation. Eh bien, étant donné qu'en Haïti, on est porté sous les du reste du monde qui est déjà marqué par cet environnement inflationniste, eh bien, on est porté également à l'inflation. Première cause là, justement, c'est la conjoncture internationale qui est marquée par une situation d'inflation élevée. Maintenant, pour deuxième catégorie de cause là, il faut revenir au niveau interne. Et d'abord, le premier point qu'il faut toucher, c'est la question de change. Sous garde sous année civile, ça a sorti décembre 2021, bon, aujourd'hui, pour prendre en compte que Goudla a perdu environ 50% de sa valeur. L'année dernière, elle a perdu 40%, année ça, c'est 50% de sa valeur. Et bien, qu'est-ce qui arrive? Comme on est porté, c'est avec le dollar qu'on est porté, et bien, à chaque fois que le dollar est devenu cher, eh bien, l'importation coûte beaucoup plus cher. Donc, on est obligé de vendre beaucoup plus cher. Ça s'appelle l'inflation. Donc, au niveau interne. Maintenant, deuxième élément au niveau interne qu'il faut souligner, c'est les conditions sécuritaires dans le pays, ou bien souvenez la dégradation des conditions sécuritaires dans le pays. C'est que, écoutez, avec l'insécurité, eh bien, et on a besoin de beaucoup plus de fonds pratiquement pour que, au fait, on vienne traverser ce nos points. Allons l'autre point, par exemple. Aujourd'hui, le grand nord du pays, pratiquement, est déconnecté avec pays, en tout cas par voie terrestre. Par exemple, pour aller à Composu, par Gonaïve, par exemple, on est obligé de passer par Niobalais, comme on a expliqué. Donc, on dépense beaucoup plus. Je prends uniquement cet exemple pour vous dire que vous dépensez beaucoup plus, et bien quand vous pouvez le vendre justement, vous vendez beaucoup plus. Donc, la sécurité ou bien la dégradation des conditions générales de sécurité dans le pays sont deuxième cause. Mais la troisième cause, rapidement, c'est qu'on a une incertitude politique qui dure beaucoup trop. Quand on a une incertitude constante, les acteurs économiques en général, nous-mêmes, nous avons attentivement constant, et ça contribue justement à détériorer l'ensemble des indicateurs économiques. Donc, au niveau interne, on a qu'à mobiliser trois éléments à eux, justement pour comprendre sa capacité en matière d'inflation. Maintenant, soit parler de conséquences, et les conséquences sont claires déjà. À chaque fois qu'on a une inflation extrêmement élevée, c'est le pouvoir d'achat de la population qui érode. Donc, on va citer, j'aimerais me dire là, à une érosion du pouvoir d'achat.
Érosion du pouvoir d'achat veut dire quoi? Il veut dire que vous gagnez moins que d'un amour pour consommer même quand c'est bien qu'on consommait avant. Donc si avant justement vous gagnez l'exact niveau de revenu qui permet de survivre, eh bien je veux dire presque pas qu'à survivre. Sauter sur les pauvretés, c'est pour balancer dans la pauvreté. Supposons qu'on a une sécurité alimentaire, mon Dieu, très proche, vous balancez dans l'insécurité alimentaire en termes de conséquences. Donc, conséquence claire, c'est la pauvreté, l'insécurité alimentaire, la paupérisation dans l'économie. Maintenant, on pose une question tout par rapport aux perspectives. Eh bien, à très court terme, je suis désolé de dire qu'à très court terme, il n'y a pas de solution parce que, un, donc, et la première cause, c'est la conjoncture internationale. À très court terme, on est exposé, on attend justement la situation internationale sur laquelle nous n'avons absolument aucun pouvoir. Autrement dit, nous pas qu'à influencer la conjoncture internationale. D'ailleurs, votre définition même classique de petite économie, c'est une économie qui n'a pas d'influence sur l'international. Donc, on pas qu'à influencer. Maintenant, et au niveau internet, au cas où je suis après court terme, je ne crois pas. Nous sommes des déclarations économistes et nommé Germain. N'a pas venu dans la ville Gonaïve, membre association évangélique d'Haïti, organisé journée jeudi 22 décembre 2022, dans l'école nationale commune Opotouan, 4e section communale ville Gonaïve, yon activité liquidation plusieurs produits alimentaires. Pasteur Emmanuel Joseph, Axoni Joseph, fait qu'on est sur sous 3e édition, yon dans le programme liquidation, côté vend produits non au prix qui bat en pile. Responsable Alef yo te revendre plusieurs produits alimentaires by plusieurs moun qui te vinn nan activité si la. En temps de déclaration, pasteur Joseph Emmanuel ak Sony Joseph. Alef c'est ALPPH, qui c'est Association des leaders évangéliques progressistes d'Haïti. Une association qui est fondée depuis 1994. Et mon objectif c'est de prêcher l'évangile. On a fait prêcher l'évangile de la paix sociale. Et nous participons à et aider les gens qui ont la nécessité. Ça veut dire non seulement nous venons l'évangile là, mais nous voulons pour que du point de vue intégral, pour que tout le monde soit capable de mettre et nous voulons capable de dire que nous voulons un développement holistique de chaque personnalité. Ça fait un bon programme avec la liquidation. Actuellement nous sommes sur la 3e édition. Liquidation c'est côté que nous avons produit avec nous, par exemple. Et actuellement, on a parlé avant, nous c'est 22 décembre 2022. Nous vendons gros débit à $40. Nous vendons gros blé pour $15. Nous vendons pièce louer $20 décembre. Et c'est ça que nous faisons. Nous vendons parce que nous sommes capables de souvenir, capables de rage, capables de manger, capables de vendre avec nos jardins. Mais nous ne pouvons pas faire cadeau. Mais nous allons au coup, il y a un dérisoire. Nous allons à 25 gouttes, nous allons à 25 gouttes. Juste pour que le monde soit capable de nos bagages, pour qu'il soit capable de fonctionner, pour qu'il soit capable de manger quelque chose, pour qu'il soit capable de bien. Si on est obligé de vous aider au cours, vous n'avez pas besoin de travailler dans le pays. Si vous avez des instruments, vous n'avez pas utilisé du côté de l'Union, vous n'avez pas besoin de travailler. Si vous avez deux ou trois télévisions là, vous n'avez pas besoin de vous faire venir avec vous là, vous n'avez pas besoin de vous. C'est pour ça que ça a été au cours d'un. On a parlé avec toutes les visions, les missions, les associations, pour mettre ensemble pour regrouper, pour permettre que les gens qui viennent, qui sont en difficulté, parce que c'est très important pour que nous soyons capables de supporter l'autre. Ça qui est plus fort, nous devons supporter ça qui est plus fort. C'est un objectif ça que nous réunions là pour que nous permettions. Ça, tout petit qui est plus en nécessité, nous devons moyen pendant 2, 3, 4 jours, nous capables de manger, nous capables de goûter quelque chose. Pasteur Sony Joseph, pasteur de l'église, nous avons envie de découvrir. Nous voulons intégrer les deux communautés dans ce sens là et sur le plan physique. À part de population, nous ne pouvons pas recevoir aide dans les personnes pour nous faire activer ça. Non, c'est l'église avec l'idée que les personnes justement pour faire programme ça, pour réaliser le programme ça. Nous soutenons les déclarations pasteur Joseph Emmanuel et Sony Joseph. Groupe cap appuyé rapatrié yo garde dénoncé journée mercredi 21 décembre 2022 zak intimidation ak violence membre mouvement femme dominicaine ak haïtienne yo te subi en bas main autorité dominicaine yo
peut-être yo t'a supporté ressortissant haïtien yo qui en difficulté dans ce domaine. Gar fait connait Zak sa c'est une honte et puis mandé autorité dans ce domaine pour ressaisir yo. En dans des déclarations porte-parole galant monsieur Sam Guillaume. Nous connaissons MODA, une institution qui travaille au respect des droits de la communauté haïtienne dans le pays américain. Dans le dernier moment, ça a été dénoncé le mauvais traitement que les Haïtiens avec les Dominicains qui sont d'origine haïtienne ont subi en République dominicaine. Ils sont victimes de une sorte d'intimidation de côté autorité dominicaine. Côté une vingtaine de monde qui sont en civil avec de dans l'armée dominicaine, entrer dans le bureau sans aucun papier, sans mandat, faire plus que 2 heures de temps à fouiller le bureau, etc. Donc, c'est décalable une violation grave de droits humains. L'institution, ça, les gain place li, dans une société tankou dominicaine. D'ailleurs, son institution, droits humains, qui est là pour permettre un équilibre qui fait dans la société, ya, pour que nous ne venions pas fonctionner dans une sorte d'anarchie. Donc, nous disons honte pour la République dominicaine, pour vivre dans niveau côté même organisation de l'OMUNIO comme si pas jeune espace pour fonctionner convenablement. Donc nous dénonçons ça que fait là et nous faisons appel à l'autorité dominicaine pour ressaisir et menons enquête pressée pour découvrir source et ça qui arrivera pour le monde qui doit punir sévèrement. Nous soutenons déclaration porte-parole galant monsieur Sam Guillaume.